Salutations! Comment allez-vous? Très bien, et Bien, et toi? toi? Ça va, ça va. Du coup, Nitou, est-ce que tu peux me redire ce que tu as dit Ouais, à propos des boîtes? alors. Tu m'as fait. Ça a l'air super rentable. Ouais, alors, c'est rentable parce que on peut avoir un skin épique dedans et deux autres skins, ainsi que d'avoir une gemme. Tu peux avoir un moment 1600 extensions orange. Donc, déjà, les capsules à Ouais, skip, c'est rentable. Parce que les t'as un skin capsules. épique, c'est ça? Ou rare? T'as un skin épique, Un donc skin épique 1,30€. et Donc 1, deux 3, skins 5, random. 0. Voilà. J'étais avec les subs sur Discord. Point exclamation Discord, vous pouvez nous rejoindre, évidemment. Première boîte, les gens. Je crois que je n'avais pas ce skin. Alors déjà, c'est rentable. C'est rentable, voilà. Merci, à plus. C'était super comme ouverture de boîte. Comment ça, c'est nul? Moi, je dis ça passe. Let's go. Ok. Bah écoute, j'avais envie de jouer Yasuo en plus. Putain, ok. Mais là déjà, on est sur de la bonne rentabilité. Pour la première. Mais on peut avoir de la merde après. Deuxième. Ça me va. Il y a un nouveau skin, mais je surkiffe le skin de Camille ici. Tout va bien. Jaximus. Bon, je joue Jax, j'ai un meilleur skin, il n'y a aucun problème. Ok. Deuxième skin épique de Vladimir. Je suis pas fan de skin, mais franchement, si je joue Vladimir, bah, je le prendrai. Alors, normalement, moi, les boîtes, c'est ultra pas rentable pour moi, comme je l'avais dit fait dans ma vidéo. Mais là, apparemment, ces capsules sont vraiment, vraiment rentables. En vrai, là, les deux que j'ai eu déjà sont quand même assez insane. Mais j'ai toujours pas de gemstone. Je veux une gemstone. Hein. Oh, oui. Oh, let's go. Oh, j'aime trop ce skin avec Wukong. Je l'avais pas sur ce compte, je crois. Oh yes, oh putain il est trop bien ce skin. Galactique Nasus, pourquoi pas. Kun Vladimir qui est même plus disponible dans la boutique. Parfait, pour l'instant c'est... J'ai vraiment dans les skins épiques, j'ai vraiment que des trucs bien. Ok, quatrième. El Macho Mundo. Je ne joue pas Mundo mais pourquoi pas. Pas mal. Ouh, let's go. Oh, et c'est trop bien, je vous jure je voulais jouer Rek'Sai. Je vous jure, j'ai envie de m'entraîner en jungle avec Rek'Sai. Ce skin vaut une blinde. Oh. Mais non, mais là, en vrai, c'est ultra méga rentable. Là, je suis à 4. Ça sent la gemstone. C'est soit des essences oranges, soit des gemstones. Snowday Graves, il est très très bien. Artico. Allez, vas-y, deuxième skin épique. Du Gragas. Trop bien ce skin. Je viens d'avoir 3 skins épiques d'affilée. Mais si, finalement, ça donne 3 skins à chaque fois. Pourquoi pas? Lueurth de Jinx, let's go. Et la petite Elite Riven. Évidemment, on est un main Riven, tout va bien. Mais le skin de Jinx est vraiment stylé. Ça, c'est un bon skin. Ça, c'est un bon skin parce que je crois qu'il est disponible une fois par an pendant une semaine. Donc ça, c'est très très bien. Yes, j'aime trop ce skin de Leona. C'est parfait. Oh, le nouveau skin de Talon. Qui déchire sa mère. Ok, il reste plus que 3 boîtes, let's go! Je veux une gemstone, hein! Oh! 5! Là, je pense qu'il y a la gemstone, c'est obligé, je pense. Prototype Victor, ok. Ok, ça me va, ça me va. Je vais jouer Sona, anyway. Je vais jouer support. Hey, Trexie, tu vas me coach sur Skarner, ok? Oh, mais c'est quoi cette ouverture de boîte de psychopathe? Vous allez me détester de Non, mais cette boîte, les mecs, cette boîte, elle valait 30 balles. J'ai 5000 essences oranges en plus. Ils m'ont donné, mais assez pour craft en plus ce que je préfère, genre. C'est un délire. Il en reste deux. Let's go. C'est parti. Let's go. Oh mon dieu, encore. Attends. J'ai encore des essences oranges. Et en plus, le skin de Twitch là, comme ça, il est pas très cher, mais il est super stylé. Là, ça veut dire que j'ai encore une gemstone ou des essences oranges. Oh, je l'ai en double. What the fuck? Il a eu la sainte pelle. J'ai eu la Bah, sainte du coup, je. pelle. Zéro preuve. Oh, Zéro. let's go, la Elle a gemstone! jamais. J'en ai une deuxième! Bah, elle était pas dégueu. Attends, il nous restait Vel'Koz. Donc on a eu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La moitié des skins sont épiques, les gens. Et il y a eu deux légendaires. La moitié des skins ont été épiques. Bon, les gens, comment vous dire? Je suis pas sûr d'avoir eu énormément de chance au niveau des capsules. Parce que si j'ai pas eu énormément de chance, c'est quand même des capsules ultra rentables pour ceux qui veulent faire la collection. Et moi, j'avoue... Je sais pas, j'ai envie que mon compte là, j'ai envie de le garder très très longtemps ce compte là.
Et j'avoue que j'aimerais bien finalement avoir une collection. Pourquoi pas, hein, tu sais quoi, c'est bien d'avoir tous les skins parce qu'après ils deviennent tous gratuits, plus ou moins. J'ai pu en racheter, ok, donc on peut en racheter apparemment tous les jours, je crois, peut-être. Bref, dans la première partie, on a vu que j'ai eu énormément de chance au niveau des capsules. Pour pas vous induire en erreur, je vais le refaire une fois. Oui, ça me coûte bonbon, mais j'ai pas envie que les gens achètent les capsules et se disent « Putain, j'ai eu de la merde, il m'a niqué. » Hein, voilà. Du coup, je vais en rouvrir 10, je suis même pas en live là maintenant, et on va voir si c'est rentable ou pas. Parce que là, en fait, on a fait le calcul. En gros, j'avais gagné 5000 RP de skins en faisant les calculs, même en désenchantant et tout. Et ça revenait en fait à. Les 30 skins revenaient à peu près 370 RP chacun. C'est assez insane. Du coup, let's go! On recommence. Pour voir si c'est. Il y a déjà deux skins épiques et il y a de l'essence orange. Donc la première capsule, bah, très rentable encore une fois. Quand t'as deux skins épiques, c'est juste hallucinant. Ce skin est trop bien en plus. Oh, mais c'est pas vrai. Mais, non mais c'est vraiment les trucs les plus rentables en fait. Parce que là, une boîte. Oh, 3 skins épiques dans la boîte. Et c'est ce skin en plus, genre je m'en sers. Je crois que j'avais même pas le skin de Fiddlestick Corbeau. Non, pas Corbeau, Désert. Non mais attends. Ok. Encore un skin épique et l'essence orange qui coûte comme de la. L'essence orange coûte normalement des RP quoi. Ok, Queen Syndra. Oh purée, le Azir Kingdom. Qui est même pas disponible dans la boutique. Et genre, c'est le best skin de Azir. Et un skin Fnatic Cartus qui n'est pas disponible aussi dans les boutiques. Parce que tu peux en plus avoir des skins. Okay, le meilleur skin d'Irelia. Petit skin d'Akali. Kog'Maw épique. Je vais très très vite là. Je veux juste voir si c'est rentable. Pour l'instant, ça l'est complètement. Non mais les gars, j'ai une gemstone là. Oh, meilleur skin de Kha'Zix. Katarina. Une gemstone qui... Les gemstones coûtent de ouf très très cher en plus. Hein. Là je sais pas, j'en ai eu deux. Là je crois que c'est la troisième. Putain, j'ai un skin de Kha'Zix, je voulais jouer Kha'Zix en plus. C'est trop trop parfait. Omega Squad Tristana qui est vraiment stylé. Mais je préfère le dragon. Ok, là on est sur... Là c'est la capsule que où vous pouvez tomber 10 fois d'affilée. Cette capsule là, elle est pas rentable. Sauf si vous avez des skins que vous aimez, là c'est rentable, mais s'il n'y a pas de skin que vous aimez, bah, ça va pas être très très rentable. Mais ça c'est la pire capsule qu'on peut avoir. Donc si vous l'avez 10 fois, vous êtes vraiment pas chanceux. Mais là je l'ai fait, normalement j'ai fait plusieurs fois le test, normalement... Putain trop bien le skin de Ziggs. Oh là là. Oh je le voulais. Le Renekton, mais il est en promo, j'ai même pas osé l'acheter, trop bien. Il reste deux capsules. Arcane et Karim, bon moi c'est celui que je préfère. Omega Squad Tristana... C'est celui que j'avais encore avant ou c'était un autre? Et le Jhin Malzahar qui est toujours bien. Ok, on a eu beaucoup de chance au début, mais vous pouvez imaginer, vous pouvez avoir ces 10 capsules. Donc c'est, je sais pas si c'est l'auto, mais j'ai l'impression que les ratios ont vraiment été augmentés de ouf. Phoenix Queen est très très bien. Project Lucian, il est super. Temple Jax est très... Oh la vache, et d'accord. Et deux gemstones. Donc j'ai eu 2 gemstones sur les 10 et 4 sur les 20. C'est assez insane. Donc là, faudrait refaire le calcul. Par contre, j'ai pas eu de skin légendaire. Donc la première partie, j'avais eu vraiment beaucoup de chance. La deuxième, j'ai eu de la chance. Je vais pas faire une troisième fois, faut pas déconner. Mais ok. Ça reste ultra rentable, les gens. Ça reste ultra rentable. J'ai fait le test pour les 20, pour pas que vous soyez un petit peu trop déçus. Là, pour 1750, t'as une gemstone, t'as 20 points prestige, t'as le coffre et tout. Je vais le prendre parce que les gemstones, je les veux. Je veux 10 gemstones pour les skins. Je veux m'acheter un skin de fou, là. J'attends qu'il y ait un main ou qu'il y ait un skin de malade avec les 10 gemstones. Donc là, on a 9 gemstones. C'est trop bien. En vrai, je suis trop content parce que moi, je veux les gemstones. Et dans ce coffre, pickpocket, on l'avait déjà. Et en plus, avec tout ça, je peux avoir, du coup, le skin prestige de Aatrox. Ah oui, d'accord, mais c'est carrément mythique skin. Ok, bah les gens, voilà, j'espère que vous avez aimé l'ouverture des boîtes. Ça reste ultra rentable. C'est... Même si t'enlèves les skins légendaires que j'ai eu, ça reste une moyenne de 400 RP par skin. T'as des skins vraiment super bien. Genre, il y a énormément de skins épiques. C'est hallucinant. Je sais pas si c'est bugué ou c'est fait exprès. Ou j'ai eu énormément de chance. Franchement, j'en ai aucune idée. J'espère que vous allez avoir autant de chance que moi si vous achetez ces boîtes-là. Et puis c'est ça. Mais là, par exemple, pour 7000 RP environ, j'ai gagné 4000 RP
Donc en gros, j'ai fait une économie de 8000 RP sur les 20 boîtes, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Du coup, je pense que c'est des capsules ultra rentables. Si vous avez l'occasion et si vous pouvez, ça reste une somme. Du coup, voilà. Bref, rendez-vous pour le 2v2 aujourd'hui. C'est pas un 1v1 aujourd'hui, c'est des 2v2. On va tester parce qu'on se prépare pour un tournoi et tout. Je vais vous expliquer ça plus tard. Et j'espère que vous allez aimer. Rendez-vous tout de suite sur Twitch. A tout de suite tout le monde et à très bientôt. Ciao.